Bien-aimés, soyez bénis, shalom, de partout où vous vous trouvez. C'est la prophétesse Frida Deborah Manzioni. Je vais prier avec vous, bien-aimés. Si vous subissez des fausses accusations, si vous êtes accusé faussement, si des amis autour de vous vous accusent, la famille vous accuse, au travail on vous accuse pour les choses que vous n'avez pas fait. Alors je vais prier avec vous, je vais plaider à Dieu. Je vais prier à Dieu afin que Dieu puisse vous rendre justice. Alléluia. La seule chose que je vais vous demander, bien-aimés, c'est de vous assurer d'avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur de votre vie personnelle. Si ce n'est pas le cas, bien-aimés, n'hésitez pas à faire la prière du salut dont vous avez le lien en dessous de cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. N'hésitez pas à refaire cette prière plusieurs fois s'il le faut, jusqu'à ce que cette prière devienne la vôtre, jusqu'à ce que cette prière pénètre votre esprit, jusqu'à ce que vous fassiez un avec cette prière, jusqu'à ce que vous aurez l'exaucement à votre prière. Et je crois fermement que Dieu va exaucer notre prière. Je vais me joindre à votre esprit, à votre âme, à votre pensée et nous allons prier ensemble. Que cette prière soit la vôtre et que le ciel vous exauce dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Prière contre les fausses accusations. Mon Père, ô Dieu de ma justice, qui est semblable à toi? Les assises de ton trône sont justice et droit. L'amour et la vérité marchent devant toi. À qui pourrais-je te comparer, tendre Père? Seigneur, je t'adore et je te célèbre, car tu connais les pensées du cœur de l'homme, et surtout moi en premier. Aucune de mes pensées n'est cachée devant toi. Tu connais mes pensées et tu connais mes ambitions. Tu connais mes sentiments et mes émotions. Tu sais toutes choses et rien n'est caché devant toi, Éternel. Seigneur éternel, Dieu, intervient dans ma situation. Délivre-moi des fausses accusations.